Miffy adorait jouer dans la neige. Elle adorait descendre en luge la colline enneigée. Elle adorait glisser sur la neige avec ses skis. Elle adorait s'étendre sur la neige et agiter ses bras pour laisser la trace d'un ange de neige. Mais ce qu'elle aimait par-dessus tout, c'était faire des lapins de neige. Très difficile à faire, et elle avait besoin d'aide pour les réussir. Devinez qui arriva à point pour l'aider. Snuffy, la petite chienne. Snuffy aimait courir et sauter dans la neige. Quand elle vit Miffy essayant de pousser et de rouler une grosse boule de neige, elle accourut pour lui venir en aide. Elles poussèrent ensemble encore et encore. Plus la boule de neige roulait, plus elle absorbait de neige. Elle devint grosse, de plus en plus grosse. « Ça suffit pour faire le corps du lapin de neige !» dit Miffy. « Nous allons faire une plus petite boule pour la tête du lapin !» Miffy commença par faire une petite boule avec ses mains. Snuffy pouvait même la pousser avec son nez. Mais quand la boule devint plus grosse, Miffy vint aider Snuffy à la pousser jusqu'à ce qu'elle fût assez grosse pour faire la tête du lapin. « Maintenant, nous allons la placer sur la plus grosse boule !» dit Miffy. Elles essayèrent par tous les moyens, mais n'arrivèrent pas à soulever la boule de neige. À ce moment-là, l'ami de Miffy, Boris, arriva. « Bonjour, Miffy !» dit Boris. « Qu'est-ce que vous faites ?»« Nous essayons de faire un lapin de neige géant !» dit Miffy. « Mais la tête est trop lourde, on ne peut pas la soulever !»« Je crois que j'ai une idée, Miffy !» dit Boris. « Je ramenais ces planches à mon atelier, mais on peut les utiliser pour en faire une rampe jusqu'au sommet de la grosse boule !» Boris plaça les planches contre le corps du lapin géant. Elles étaient parfaitement ajustées. Exactement la hauteur qu'il fallait. Maintenant, il pouvait rouler la plus petite boule jusqu'au sommet des planches. C'était encore très difficile, mais pas autant que s'ils avaient dû soulever la boule. Ça y est, c'était fait. Le lapin de neige avait enfin une tête reposant sur son corps. Miffy alla chercher deux bâtonnets pour faire les oreilles. Elle enfonça les deux petits bâtons sur le sommet de la tête. « Ça ne ressemble pas à des oreilles de lapin !» dit Miffy. Il lui vint une idée. Elle tassa fermement de la neige autour d'un bâtonnet et fit la même chose sur l'autre bâtonnet. Et voilà deux oreilles de lapin parfaites. Snuffy s'éloigna dans la neige et revint avec deux boules de caoutchouc avec lesquelles elle jouait souvent. Miffy éclata de rire. Elle enfonça les deux boules dans la tête du lapin. « Il a des yeux maintenant !» dit Miffy. « Il peut voir le travail qu'on a fait, grâce à vous deux, Snuffy et Boris !» Vous êtes très habiles tous les deux. Finalement, Miffy ajouta une carotte pour faire le nez du lapin. Le lapin de neige était enfin complet. Miffy court et c'est la joie. Avec ses amis, on ne s'ennuie pas. Snuffy, Agathe, Barbara, Boris, Colette, ils sont tous là et tous ensemble. Belle journée, on va s'amuser. Espiègle est si joli, un cœur plein d'énergie. Ensemble, tout est permis. Et ses amis. Un beau matin, Miffy regardait par la fenêtre. Et que vit-elle ?
un magnifique cerf-volant voletant au-dessus de sa maison. Miffy suivit des yeux le fil du cerf-volant pour voir qui le dirigeait. Très très loin, à l'autre bout du fil, Miffy aperçut Grogny, la nièce de Colette. Elle semblait beaucoup s'amuser. Miffy grimpa sur sa trottinette et roula aussi vite qu'elle put jusqu'à la maison de Colette. Bonjour Grogny, où as-tu trouvé ce si joli cerf-volant? J'aimerais bien en avoir un moi aussi, ce serait tellement amusant. C'est Boris qui me l'a fabriqué pour mon anniversaire. Boris est très habile de ses mains. Il peut presque tout faire. Tu aimerais tenir la ficelle, Miffy? Tu verras, c'est amusant de diriger un cerf-volant. Miffy saisit le bout de la ficelle et guida le cerf-volant. Elle eut tant de plaisir qu'elle était impatiente d'en avoir un bien à elle. Merci, Grogny, dit Miffy. Je vais aller demander à Boris s'il veut bien m'en construire un. Miffy s'en alla, conduisant sa trottinette à travers la forêt aussi vite qu'elle put. Lorsque Miffy arriva chez Boris, elle lui demanda s'il voulait bien lui fabriquer un cerf-volant. Bien volontiers, Miffy. Je serais très heureux de te construire un cerf-volant. Mais comme c'est pas ton anniversaire, il faudra que tu m'aides. Je sais pas comment on fait un cerf-volant. Ne t'inquiète pas, Miffy, je te montrerai. Nous allons construire ce cerf-volant ensemble, petit à petit. Tout d'abord, Boris prit deux fines baguettes de bois. Une longue et une plus courte. Il plaça la plus courte en travers de la longue baguette. Puis, il les tint ensemble tandis que Miffy les attachait à l'aide d'une ficelle. Boris enroula alors un long bout de ficelle tout autour de chaque extrémité des baguettes. La structure du cerf-volant était prête. Boris prit une feuille de papier rouge lumineux coupée à la dimension de la structure. Maintenant, on doit plier le papier par-dessus la ficelle et le coller pour qu'il tienne fermement sur la structure. Mais le cerf-volant doit encore avoir une queue. Miffy prit quelques bandes de tissu et les noua le long d'une autre ficelle qu'elle attacha au bas du cerf-volant. Il était magnifique. Il ne reste qu'à attacher une longue ficelle et alors nous pourrons sortir et faire voler le cerf-volant. Miffy tenait la ficelle fermement. Boris, lui, tenait le cerf-volant en l'air pour qu'il puisse capter le vent. Le cerf-volant s'éleva, toujours plus haut. Il dansait dans le ciel. C'était magnifique. Tout à coup, il tournoya et plongea directement sur un arbre. Miffy tira sur la ficelle, mais le cerf-volant restait coincé. Comment faire pour dégager le cerf-volant? Dit Miffy. Elle était toute triste. Boris était déjà en train de grimper dans l'arbre. Il dégagea le cerf-volant et le laissa tomber sur l'herbe. La forêt n'est pas un bon endroit pour faire voler un cerf-volant, Miffy. Il y a beaucoup trop d'arbres. Alors je vais l'emmener chez moi, dit Miffy. Il n'y a pas autant d'arbres. Merci mille fois, Boris, pour ce très beau cerf-volant. Miffy ramena son cerf-volant sur sa trottinette. Elle passa de merveilleux moments avec son nouveau jouet. Désormais, il y avait deux ravissants cerf-volants dans les airs. L'un appartenait à Grogny et l'autre appartenait à Miffy. Par un bel après-midi, Miffy et Mélanie jouaient dans le jardin de Miffy. Je vais jouer le rôle d'une princesse, dit Miffy. Et toi, tu seras la reine, Mélanie. Ça va être très amusant, dit Mélanie. En effet, ce fut très amusant. La princesse Miffy et la gentille reine Mélanie passèrent un bel après-midi. Mélanie, Miffy, appela maman Pompon de sa fenêtre. Entrez maintenant, il est l'heure de vous coucher. Un peu plus tard, Miffy et Mélanie étaient blotties dans leur lit. Aimeriez-vous que je vous lise une belle histoire, les filles? Dit maman Pompon.
S'il vous plaît, lisez-nous une histoire, dirent Miffy et Mélanie. Voici une très jolie histoire d'une princesse et d'une reine. Aimeriez-vous l'écouter? Demanda la maman de Miffy. Miffy et Mélanie rirent de bon cœur. Elles trouvaient très drôle que maman Pompon voulait leur lire une histoire qui ressemblait à celle qu'elles avaient jouée cet après-midi-là. C'était une merveilleuse histoire. Et nos deux petites amies écoutaient les yeux écarquillés chaque mot de l'histoire. Quand elle eut fini de lire, maman Pompon éteignit la lumière et dit « Dormez bien, mes petites filles. Demain est un autre jour. » Dans l'obscurité, Mélanie murmura à Miffy. « C'était une merveilleuse histoire. Que dirais-tu si on en lisait encore une autre ?» Miffy ralluma sa lampe de chevet. Elle prit un autre livre sur son étagère. « Est-ce que tu sais lire, Mélanie ?» demanda Miffy. « Les filles, voyons, vous êtes censées dormir maintenant, » dit maman Pompon. La lumière à nouveau éteinte, Mélanie murmura très doucement à Miffy. « Je ne sais pas encore lire, Miffy. Si seulement je savais. Moi aussi, » murmura Miffy. Nos deux amies s'endormirent. Et avant de s'en rendre compte, le jour s'était levé. « Réveillez-vous, allez, debout, Mélanie, Miffy. C'est l'heure de se lever et d'aller à l'école. » À l'école, la maîtresse demanda à toute la classe. « Aimez-vous les histoires, les enfants? Voudriez-vous pouvoir les lire par vous-même? » Miffy et Mélanie se regardèrent. « C'est exactement ce qu'on espérait !» murmura Miffy à Mélanie. Toute la journée, les enfants commencèrent à apprendre à lire les lettres et les mots. C'était passionnant! En fin d'après-midi, la maîtresse leur dit « J'ai un très joli livre d'histoire. Qui aimerait en lire quelques mots ?» Miffy et Mélanie se regardèrent à nouveau. Quelle surprise ! C'était exactement le même livre d'histoire que maman Pompon leur avait lu la veille. Les deux fillettes levèrent la main. La maîtresse choisit Miffy et lui tendit le livre. Miffy commença à lire. « Et il était une fois une très jolie princesse. » La maîtresse fut très surprise que Miffy lise si bien. « Tu as appris très vite à lire, Miffy, » dit-elle. « Je connais cette histoire par cœur. » Un jour, alors qu'il pleuvait beaucoup trop pour sortir, maman Pompon dit « Voilà un temps parfait pour repeindre ta chambre, Miffy. Elle ne l'a pas été depuis fort longtemps. » « Je suis d'accord, très bonne idée, » dit Miffy. « Je peux vous aider ?»« Bien sûr, » dit papa Pompon. « Mais tout d'abord, il faut vider ta chambre entièrement. » Miffy dit « J'ai plusieurs tableaux accrochés au mur. Il y a mon armoire, mon lit et mon étagère. » On pourrait peindre juste autour. On ne peut pas faire ça, dit maman Pompon. Nous devons tout sortir de ta chambre pour pouvoir peindre les murs entièrement. Très bien, dit Miffy. Je vais vous aider. Je vais d'abord enlever tous mes tableaux qui sont au mur. Mais je peux pas enlever mon lit, ou l'armoire, ou encore l'étagère. Ta mère et moi allons transporter les meubles lourds, Miffy. Pense à la couleur avec laquelle tu aimerais qu'on repeigne ta chambre. Il y a différentes couleurs de peinture dans mon atelier. Tandis que son père et sa mère transportaient les meubles et vidaient sa chambre, Miffy réfléchit à la couleur qu'elle aimerait voir sur les murs. Si elle était bleue, on pourrait se croire en pleine nuit, se dit-elle. Si elle était rouge, on penserait avoir trop chaud. Si elle était verte, c'est comme si ma chambre était dehors, dans le jardin.
Et si elle était toute blanche, elle serait de la même couleur que moi. Et je me sentirais toute perdue. Miffy regarda par la fenêtre et aperçut une éclatante tulipe jaune. Si ma chambre avait la couleur de cette tulipe, elle serait pleine de soleil et lumineuse. Je voudrais que ma chambre soit jaune, dit finalement Miffy. Papa Pompon dit « J'ai en effet une peinture d'un très beau jaune. Je vais peindre la partie supérieure des murs et toi, tu peindras la partie inférieure. Tu apprendras vite la manière de peindre. » Maman dit « Tu dois d'abord te mettre un tablier, Miffy. Ce serait dommage de mettre de la peinture sur ta jolie robe. » Miffy mit un tablier et son papa remua délicatement la brillante peinture jaune. Il prit un large pinceau et en donna un plus petit à Miffy. Et au travail ! Miffy, dit Papa Pompon, essaye de peindre de haut en bas dans la même direction. Comme ça, regarde. Miffy apprit très vite. Bientôt, la chambre fut d'un beau jaune lumineux et très gai. Et toutes les affaires de Miffy reprirent rapidement leur place. Miffy était très heureuse. Sa chambre était éclatante, propre et fraîche. « Comme on se sent bien !» dit-elle. « Dans une chambre fraîchement repeinte. Et j'y suis pour quelque chose !» Boris et Barbara réfléchissaient à l'anniversaire de Miffy. « Qu'est-ce qu'on pourrait bien lui offrir ?» demanda Barbara. « Eh bien !» dit Boris. C'est bientôt le printemps et je sais que Miffy aime bien voir les nouveaux petits oisillons chaque année. Et si je lui construisais une cage à oiseaux très spéciale pour qu'elle puisse les observer tous les jours? Oh, merveilleuse idée, Boris, dit Barbara. Elle pourrait être peinte d'une couleur vive pour attirer la maman oiseau. Je vais faire une copie de la maison de Miffy, mais plus petite, bien sûr, à la mesure des petits oiseaux, dit Boris. J'ai une photo de la maison de Miffy comme modèle. Boris choisit les plus jolies planches qu'il avait. Quelques-unes pour faire les murs, une planche épaisse pour le plancher et deux robustes planches pour le toit. Tout d'abord, il dessina un plan qui donnait les dimensions du bois en indiquant comment les réunir et les clouer ensemble. Ensuite, Boris mesura une pièce de bois avec une règle spéciale et marqua au crayon l'endroit où les planches devaient être coupées. Il plaça le bois dans l'étau de son établi pour qu'il soit tenu fermement. Et il sortit une scie bien aiguisée. Il fit glisser la scie d'avant en arrière sur la ligne qu'il avait tracée au crayon. Il recommença pour chaque pièce de bois, jusqu'à ce que chaque partie de la maisonnette fût coupée aux bonnes dimensions. Puis, il utilisa un marteau pour fixer toutes les pièces ensemble. Enfin, la petite maison prenait forme. Maintenant, je vais percer un petit trou dans la maison, juste assez grand pour que la maman oiseau puisse entrer et sortir. Elle ramassera des brindilles et de l'herbe pour en faire un bon nid douillet. À toi de jouer maintenant. Tu peux la peindre, dit Boris. Barbara avait un choix de peinture éclatante et un pinceau pour chaque couleur. Bientôt, la petite cage à oiseaux
ressembla de plus en plus, en miniature, à la maison de Miffy, à une petite différence près. Le jour de l'anniversaire de Miffy, Boris et Barbara apportèrent la petite cage à oiseaux et la placèrent sur un mât dans le jardin de Miffy. Joyeux anniversaire, Miffy, dirent Boris et Barbara. Nous avons une surprise pour toi. Viens voir. Miffy fut enchantée de son cadeau. Elle ressemble à ma maison, dit Miffy. Mais il y a quelque chose de différent. À la place de la porte, il n'y a qu'un petit trou sur le devant. C'est une porte pour les oiseaux, dit Boris. Ce n'est pas une porte pour lapin. Ils en rirent tous les trois. Vous êtes des amis très ingénieux, c'est formidable, dit Miffy. Vous m'avez rendu très heureuse, mais votre cadeau rendra maman oiseau très heureuse aussi. Maintenant, nous avons tous quelque chose pour être heureux. Espiègle est si joli, un cœur plein d'énergie. Ensemble, tout est permis. Et ses amis. Miffy court et c'est la joie. Avec ses amis, on ne s'ennuie pas. Snuffy, Agathe, Barbara, Boris, Colette, ils sont tous là et tous.